ce jour, 17 victimes ont été recensées dans ce que l'on considère comme la dernière série de meurtres du Monstrum. Il s'agirait de l'œuvre d'un seul et même criminel atteint d'une profonde psychose. Le nom de la dernière victime vient d'être révélé. Il s'agit du professeur Werner von Kroll. Une femme de type européen, cheveux bruns coiffés en queue de cheval, aurait quitté l'appartement de la dernière victime à l'heure présumée du crime. Les agents de police ont l'ordre d'agir avec la plus grande prudence en appréhendant le suspect. À ce jour, aucune corrélation pertinente entre les victimes n'a pu être établie. Aucun survivant de ces attaques n'a pour l'instant été découvert. Yes, yes. Allez, salut tous. Alors, on se retrouve. On se retrouve pour le meilleur jeu du monde. Bon, attendez, je vous explique ça après. On va déjà baisser un petit peu la musique. Qui va un peu fort et les effets aussi. Donc, bref, on se retrouve sur... sur le dernier... Ça va encore fort, hein, mine de rien. Est-ce qu'on y arrivera? Vache. Ça pète les oreilles. Donc du coup, on se retrouve pour ce qui était à l'époque le dernier épisode de Tomb Raider. Donc on est sur le sixième volet qui est sorti sur PS2 et PC. Enfin, je dis dernier volet parce que c'était le dernier en fait qui était sorti sous la licence Eidos et Core Design avant que ça soit devenu Crystal Dynamics et que ça soit racheté par Square Enix. Hein. Donc du coup, voilà. C'est un épisode qui s'est fait massacrer dès sa sortie. On est sur du 2006, je crois. Donc voilà. C'est parfait, c'est parfait. Donc salut l'ami, comment vas-tu? On va faire une nouvelle partie. Normalement, les sous-titres sont activés, je crois. Et est-ce que le micro fonctionne hein? Du coup, je n'ai pas regardé. Ouais, parfait. Ok.
Et donc voilà, je vais laisser un petit peu la cinématique d'intro. Alors ça, à l'époque, c'était sur une démo PS2. Alors, je sais pas comment ce jeu va tourner, hein. Donc on est sur l'émulateur ici, donc j'avoue que j'ai pas trop testé. Alors, que je t'explique un peu, c'était l'un des seuls épisodes qui remettait tout un gameplay du coup un peu particulier. Vous allez voir qu'au fil des épisodes, ça va être un peu amélioré. Enfin, au fil des chapitres en tout cas. C'est-à-dire qu'ici on a une jauge d'endurance qui va être un peu compliquée, surtout au début. Puisqu'il va falloir du coup entraîner Lara, parce que il n'aura pas beaucoup de force. Ça sera là aussi des seuls épisodes où Lara n'aura pas ses 9 mm, malheureusement. Et donc ouais, c'est un épisode qui a été mais très 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 mal accueilli. Donc je joue avec la manette PS4, du coup la Nacon, hein, qui est compatible PC. Donc tranquille. Il me semble que n'y a plus rien à récupérer par là. S'il y a le chien-chien qui fait des dégâts, donc on va peut-être éviter. Et on a les bonnes vieilles sauvegardes. Qui normalement se retrouvent dans l'autre menu. Ok, bon, j'espère que le son est bon. Et donc ouais, ça fait même pas une semaine que j'ai repris la cam. Je l'ai changé en plus. Je l'ai changé parce que l'autre ne fonctionne absolument pas. Et ouais. Donc on a encore ce bon vieux système de vie. Alors on aura encore des kits de soins, mais là on peut récupérer des barres de chocolat. Bon, je skip les dialogues, hein, parce que je connais un petit peu le truc. Hop. Vous voyez qu'on a une jauge d'endurance, donc il faut pas trop traîner. Hop. Donc on maintient la touche. Hop. Donc la touche saut, c'est la touche cercle, je crois. Ouais, c'est ça. Faut y aller, hein. Sympa l'overlay. Ouais, ben. J'ai dû tout recommencer parce que j'avais un problème avec les notifications. Ça voulait plus s'afficher, donc j'ai dû tout rechanger. Donc c'est la touche cercle, hein, du coup. Alors, j'ai voulu tenter sur PC, mais le jeu ne tourne absolument pas sur Windows 11, malheureusement. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais il veut pas. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas, mais j'ai vu qu'il y avait une trousse de secours. Là, je peux pas la récupérer, bon, c'est pas grave. Bon, le jeu va être très difficile à prendre en main au début. Et comme j'ai dit, c'est un jeu qui n'a extrêmement pas fonctionné et qui a été vraiment démonté par pas mal de personnes. Mais en tout cas, l'histoire est bonne. Le gameplay, on y repassera, mais l'histoire est très très bonne. Ils avaient prévu d'en faire un deuxième, mais étant donné que le jeu n'a pas forcément été bien pris, ils ont laissé tomber et ils sont passés à Légende pour le coup, et qui était pas trop mal, un poil trop court quand même, mais allez, hop, on monte à l'échelle. Je pense que je vais avoir des problèmes aussi moi pour le gameplay, parce que je suis plus trop habitué à ça. Et là, pour rappel, on est sur PS2. Là, pour l'instant, l'émulateur a l'air de tourner correctement. Après, je sais pas trop ce que ça va donner. Ok, donc on passe, hop, par là. Et donc comme j'ai dit en fait Lara n'a pas extrêmement beaucoup de force donc il va falloir du coup déplacer des objets pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse récupérer sa force et pouvoir ouvrir certaines choses, déplacer certains objets. On a des petits billets parce que le jeu pour l'instant va nous demander de l'argent. On récupère une barre de chocolat, c'est parfait. Il faut vraiment pas hésiter à fouiller. Donc là aussi, on a de l'argent. Dans le truc ici, je crois qu'il y a une trousse de secours, mais il va falloir aller chercher le pied de biche qui se trouve à l'étage. Donc là, on est en train de jouer les fugitives. Hein. Du coup, ça fait un suite direct à Tomb Raider 4, la révélation finale. Je rappelle le 5 qui était sorti sur. Pour. Tomb Raider 5 qui était sorti sur PS1, c'était un épisode à part entière, du coup. Qui n'était pas forcément une suite directe. Donc à partir de là, on va déjà sauvegarder parce que c'est un big bordel. Sauter
Monter jusqu'à l'auvent ne sera pas facile. Les animations sont soignées. Ouais, mais tu vas voir que. Avance jusqu'au rebord. C'est vrai que la prise en main n'est pas forcément très cool. Hein. Je sais pas si tu l'as fait, toi, sur à l'époque. Enfin, c'était PS2 et PS2 et PC, du coup. Ouais, on peut formater la carte. On est sur PC, donc. Ouais, j'ai vu, toi. Mais ça va, ça se passe bien, sinon. Je sais pas s'il a sauvegardé. je sais pas du tout. Sauvegarder les bas-fonds parisiens. Donc le jeu en fait c'est comme les autres. Hein. Là on est à Paris, on va aller à Prague, enfin on va faire un petit peu le tour du monde. C'est ce qu'il faut pas être. Hop là. C'est juste qu'il faut pas être très très pressé du coup. Parce qu'on a tendance à vite se casser la gueule. Ah, évidemment, le truc est à l'envers. Et la touche action, c'est la croix, hein, je crois. Putain, j'ai peur de faire des conneries. Hop, oh, c'est bon. Je suis un petit joueur, moi. En gros, t'as rien loupé hein, sur ce jeu-là. Hop. Alors, très important de récupérer le chocolat si on veut avoir de la santé. Bon, il y a des trucs que j'ai pas ramassé, hein. Je vais pas m'amuser à les chercher. Hein. Je vais pas m'amuser à revenir ici. Par contre, déjà les problèmes de caméra, c'était pas ouf. Voilà. Quand je t'ai dit dans l'armoire en bas, il y a une trousse de secours. Bon, je vais pas trop m'amuser à faire des allers-retours parce que c'est. Parce que c'est un truc de fou. Oh, ben voilà, je me suis déjà cassé la gueule. Il faut se retaper tout. Je vais peut-être recharger du coup. Parce que sinon, ça va être une galère. Hop. Pour remonter. Ah, la prise en main est compliquée. Hein. On va pas se le cacher. D'accord, j'ai de la chance. Je suis avec la manette PS4. Donc, on a quand même un meilleur appui. Dites-vous que la PS2 à l'époque c'était vachement compliqué. Ah, ben c'est pas accroché. Super. Ouais, c'est un peu compliqué quand même. C'est ultra galère. Et plus on va avancer, après ça va s'améliorer un petit peu parce qu'on va débloquer. Genre. On va débloquer le sprint, on va pouvoir. Appuie sur la touche action en plein saut pour t'accrocher à l'avant. Je sais plus c'est quoi la touche action du coup. Ah mais si à chaque fois tu te casses la gueule là-bas, ça va pas le faire. Hein. Attends, moi j'aimais bien l'histoire du jeu, mais c'est vrai que la prise en main est vachement. Bonbon. Bon, en plus simple, on va faire comme ça. Hop. Non, mais remonte pas à l'échelle, ça sert à rien. Donc la caméra, s'il te plaît. Hop. Ah, la caméra, elle veut pas se mettre. Hein. Mais rien faire. Ça avance. Pourquoi est-ce qu'elle se lâche? J'arrive plus à jouer quoi, c'est un truc de fou. Ah, j'ai pas précisé, c'était Tomb Raider du coup, c'était encore à l'époque Françoise Cadol qui doublait Lara Croft. Alors pour les plus jeunes du coup, alors c'était pas Alice David hein, qui est apparue dans le reboot hein, de 2013 et de Rise of the Tomb Raider. Dans Shadow c'est encore une autre histoire, parce qu'elle a pas été reprise. Appuie sur la touche action en plein saut pour t'accrocher à l'ouvre. Mais il faut savoir qu'à l'époque, de la première PlayStation, donc du coup les toutes premières aventures de Lara, ben c'était Françoise Cadol qui doublait Lara Croft. Françoise Cadol qui double aussi entre autres Angelina Jolie, hein, qui est sa voix française.
Et également Sandra Bullock, je crois qu'elle double. Hop. Voilà, on va peut-être sauvegarder. Alors, pas là. Alors ça, c'est la grosse connerie qu'il faut éviter. Pour quitter la gouttière une fois en haut, pousse vers le haut et en diagonale dans la direction voulue. Je repars sur Meredith. Ah ouais, bah oui, en même temps. T'as pas beaucoup de temps non plus. On va sauvegarder ici. Alors, je vais abuser des sauvegardes hein, parce que vraiment le jeu est très 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 compliqué. Donc comme j'ai dit en fait on a une jauge d'endurance sur le jeu qui va nous mettre dans de sacrés pétrins de temps en temps. Il va falloir jauger. Par exemple là j'ai monté, vous voyez que il y a une petite barre jaune qui vient de s'afficher, donc c'est l'endurance de Lara. Bon, au bout d'un certain temps, il n'y en a plus. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est dans ces cas-là, on peut pas faire grand chose. Hein. C'est la mort assurée. Voilà, et ça c'est le gros point nord du jeu, c'est qu'ils ont vraiment fait n'importe quoi. Donc à partir de là, hop, on se lâche. Voilà, hop, je vais voir du coup. Donc la touche action en fait, elle n'existe pas, je sais pas pourquoi. Parce qu'elle s'agrippe automatiquement. Hop, donc on va passer par là, en vitesse. Les deux carnavals, ah c'était bien, tu t'es bien amusé. Alors ici c'est une question de timing, c'est un beau bordel aussi ce truc là. Hop. Hop. Voilà, là on va chercher le fameux pied de biche. Alors du coup, hop. Hop. Donc, on va passer sur la touche action. Donc faut maintenir la croix, du coup, c'est un bordel. Hop. Donc. Hop, on active la touche marche, c'est important. Voilà, donc le pied de biche, si on veut, on peut revenir du coup au tout début du jeu. Ça va pas être intéressant du tout de passer par là. Donc à partir de ce moment-là, voilà, bah, c'est ce que j'allais dire. Du coup, à partir de ce moment-là, on peut pas aller de l'autre côté parce que l'endurance est très très limitée. Donc le truc, c'est que le jeu en fait n'a pas trouvé meilleure idée que d'aller enfoncer des portes avec le pied de biche pour donner des forces à Lara. Ce qui est complètement con. Mais bon. Hop, on va les casser ça. Voilà, hop, là on a une petite flèche bleue qui nous indique que l'endurance de Lara est améliorée. Et donc on va pouvoir du coup maintenant passer de l'autre côté. On est d'accord que c'est complètement stupide. Je sais pas pourquoi ils ont téléchargé un truc comme ça. Sauf que c'est le premier épisode à sortir sur PlayStation 2. Hein. Parce qu'après, ils ont sorti Légende, qui était beaucoup mieux. Qui était beaucoup plus retravaillé. On va sur une sauvegarde. C'était beaucoup plus retravaillé. Puis on a eu Tomb Raider Anniversary aussi. Qui fêtait les 10 ans de Lara hein, à l'époque, les 10 ans de la version PlayStation, donc le premier tout premier jeu. Et après ils ont sorti qui a clôturé la saga avec Underworld. Et on n'a pas eu d'autres après, sauf les reboots. Et deux petits spin-offs qui étaient sortis pour le premier c'était Lara Croft. Et les gardiens de lumière, je crois, qui est sorti en démat uniquement. Et après ça, on voit que c'est juste. Hein. Le niveau d'endurance est quand même juste, on arrivera directement de l'autre côté. Voilà. Alors la touche discret, c'est ici, et c'est un autre truc. Alors, niveau discrétion. Et donc, après, ouais, Underworld, c'était le dernier. Et donc, il y a eu Guardian of Light, du coup, en démat. Et puis, ils ont fait le Temple d'Osiris, qui est sorti là en version boîte, même collector d'ailleurs sur PS4. C'est pas des jeux auxquels j'ai accroché, même si je suis assez fan de Tomb Raider. Franchement, il y a des épisodes qui passent malheureusement pas. C'est comme Tomb Raider 2, la date d'Oxian, qui était pas forcément. Un de mes coups de cœur, mais bon. Donc on va réabuser de la sauvegarde, du coup. Franchement, faites-le, hein, si vous faites le jeu, faites des sauvegardes à fond, parce que
On aurait vite la flemme de recommencer. Hop. Il y, y a des niveaux qui m'ont. En vrai dire, c'est souvent des trucs assez loufoques. Ça se base souvent sur. Ça se base souvent sur des mythes. Il y a pas mal de créatures. Celui-ci sera le dernier qui mettra en scène du coup des créatures assez loufoques. Enfin, Tomb Raider Underworld aussi, mais le bestiaire était beaucoup moins varié. Ici, on va retrouver. On va avoir quelques créatures assez sympathiques. Assez flippantes pour certains. Hop. Alors ici, je vous conseille, quand vous arrivez dans ce bâtiment, c'est de gagner du temps. Parce que donc la police, en fait, ont tendance à te foutre du gaz toxique dans le bâtiment. Donc pour gagner du temps, en fait, on va juste venir récupérer l'armoire qui est là. Et on va la placer. On va venir la placer ici devant la porte. Ça nous fera donc un petit gain de temps supplémentaire. Hop. Ouais, j'ai encore des bons réflexes pour le coup. Hop. Et donc on va grimper. Donc l'ascenseur, on va pas y aller. Il est HS. Bien évidemment. Hop. Donc par ici, c'est bloqué. Donc ici, il va falloir jauger du coup le temps. Ouais. En fait, si j'avais pas fait ça, en fait, dès que j'aurais franchi le premier palier, en fait, ils auraient déjà rentré. Donc le temps que le gaz en fait monte, on va avoir un petit peu de temps devant nous. Tiens, il y avait quelque chose là, non? Je crois que c'était juste pour la porte, mais de toute façon, la plupart des portes ici sont verrouillées, donc ça sert absolument plus à rien. Hop. Hop. Donc on n'a pas forcément beaucoup de temps, puisque. Il faut calculer les sauts, faut calculer du coup, parce que le gaz va aller très très vite à partir d'un certain palier. Hop. Donc on va refaire une petite save ici, hein, vite fait. On va faire ça sur un autre fichier, tant qu'on peut. Il tourne bien quand même sur l'émulateur, hein, j'aurais pas cru, mais. Hop. Non, fais pas ça par contre, s'il te plaît. Parce qu'il va falloir sauter. C'est souvent. Alors on peut. Enfin, on peut se casser la gueule sans pour autant se faire mal. Mais il faut. Voilà, faut être très réactif parce que le gaz monte et on perd pas mal de vie. Voilà. On voit que le gaz a déjà atteint le palier, hein, donc. Hop. Là, on a du médicament. Hop, allez. Le gameplay est un peu stressant quand même, mine de rien. Non, faut la tirer. En fait, on a que quelques secondes en fait pour sortir. Vrai que ma vie en prend déjà un coup. Parce que là, on a une jauge de respiration là en bleu. Hop, on a un petit kit de soins. Ah, tu t'es déguisé? Ah, oh bah ça va, c'est cool alors. Je me sens plus forte. Hop, alors on va passer par ici. Ça nous fait un gain de temps. Ça nous fait une petite zone save. Moi, je t'avoue, j'ai rien fait hein, ce week-end. Là, je joue plutôt les babysitters en fait. Parce que j'ai le chien de mon tonton en fait qui est à la maison jusque demain. Donc là, il est en train de dormir, donc voilà. Parce que là, il est parti à 2 jours. Donc voilà, je m'occupe. Je m'occupe du chien-chien. Ça va, il est calme. Là, il dort. Ça, je profite un petit peu de mon temps libre. Alors, ça, du coup, je pouvais le déplacer. Non, c'est pas par là si je dois le déplacer, moi. Hop. Bah oui, au moins tu profites.
Ah, c'est vrai que j'ai mis le mode marche. Hop. Ah, ici, il n'y a plus rien. Donc. Alors ici, on maintient la touche. Hop. On passe par là. On arrive au bout. Hein. On arrive au bout du niveau. C'est un peu long. C'est un peu long, mais ça va quoi. Alors ici, on a. Normalement, il y a une porte sur laquelle je peux passer. Voilà, on a une clé à aller chercher. Hop, qui se trouve par terre. Hop, il y en a deux, déjà des clés. Alors, cette clé qu'on ramasse ici ne sert absolument à rien. Il va falloir redescendre tout en bas. Ça nous met du coup accès à un kit de soins aussi. Bon, j'ai pas m'amuser à retourner par là. Voilà, le niveau est fini. Et la clé qui est par terre, en fait, ouvre cette porte-là qui nous permet de sortir. Tout simplement. On va sauvegarder. Hop là. Bah moi c'est bien parce que le week-end il a fait bon. Encore aujourd'hui il fait. Il y a une bonne température, il y a du soleil. Demain aussi je pense. Et après. Après ils annoncent des averses. Alors, ici ça va être une galère. Ils se sentent déjà venir le truc. Puis il va falloir jouer avec. Accroupir, c'est quoi? Accroupir, je sais plus. Non, merde. C'est pas grave. J'ai sauvegardé. Je sais plus c'est quoi la touche du truc. Parce qu'en plus, il y a l'hélicoptère qui tire dessus, donc ça va être galère. Et puis, il y a l'endurance qui est un peu quasiment bon aussi. Hop. On va aller visiter le musée du Louvre aussi dans le jeu. Musée du Louvre qui cache bien des mystères. Tiens, je vais regarder vite fait. Est-ce qu'il y a les trucs des commandes là-dedans? Option. Vidéo, non. Ah, mais attendez. Ouais, non, pas de la pluie, ah, malheureusement. Malheureusement. Je regardais du coup parce que j'ai le jeu en fait ici. Hop. Le petit ombre de l'ange des ténèbres. Attention. Et là, on est sur émulateur hein, pour le coup. Ça va, ça tombe plutôt bien. Juste regarder vite fait les touches parce que j'ai pas envie de chercher 36 000 trucs. Heureusement qu'on a le livret. Sinon, ça serait un peu compliqué. Roulade, c'est le carré. Savoir que la roulade, c'est très très important. Je t'expliquerai une anecdote, mais pas tout de suite. C'est un jeu où je suis resté bloqué sur un truc. Si on se baissait, c'est triangle, du coup. Ok. Ah, bah c'est bon, ok. Donc, c'est le triangle. C'est parfait. Allez, on est reparti. Non, je vais pas quitter la partie. Hop, non, ça va bien m'aider, ça, du coup. Hop. Hop. Allez, on est parti. Donc à partir de là, hop. Voilà. Mais c'est qu'on n'a pas le temps de traîner hein, parce que lui il va me tirer dessus et l'endurance c'est pas un truc de fou non plus. Hop. Allez, lâche-toi. C'est pas fou hein. Hop. Alors bon, se casser la gueule, c'était pas vraiment utile. Bon, on va se soigner un peu, du coup. On va prendre un petit chocolat. J'ai un kit de soins. Tes pansements, j'en ai deux. On va pouvoir se faire ça tranquillement. Ah, la santé, ça va très très vite, par contre. C'est encore un vieux système de soins. Qui est assez varié, pour le coup. Parce que dans le premier...
Dans les premiers, c'était soit des petites ou des grandes trousses de secours. Hop, on va récupérer tout ce qu'on peut. Hop. Bon, le pistolet, il n'y a qu'une balle dedans. Ça aussi, par contre, c'est limité. Hein. Nombre de balles, hein, du coup. Nous, on va passer là en face. Hop. On va pouvoir descendre. Hop. Par ici. Attention aux chutes mortelles, par contre. Parce que ça pardonne pas. Hein. Hop. On va aller chercher la caisse au centre. Qui est là. Ah non, il y a un truc de secours là-bas. Ok, petit kit de soins. Là, je pense qu'on pouvait passer. On n'est pas obligé de remonter en fait, c'est juste pour un. C'est juste pour du soin aussi. C'était pas là que je devais aller. On va re-sauvegarder. Bon, je suis en train de me. Péter les tympans là. On va faire ça ici, parfait. Oh ça va, on progresse quand même. J'aurais cru galérer, mais ça va. Hop, on récupère je ne sais pas quoi. Je conseille de faire attention parce que je sais pas si c'est ici qu'il y avait un chien. C'est pas par là. Non. Hop, allez, on va monter. C'était pas là. Je ne sais plus où je dois aller par contre. Il faut pas se tromper dans les touches hein, par contre. Allez, on récupère un kit de soins à nouveau. On va en avoir besoin des kits de soins. J'ai vraiment du mal avec les touches. Hein. C'est vrai que dans les autres. Dans les anciens Tomb Raider, fallait sauter avec la touche carrée. Sauf que là en fait tu sautes avec la touche rond. Carré c'est pour la roulade. C'était un peu le bordel. C'était un peu le bordel. Bon, il y a ça ici, mais je sais plus à quoi ça sert par contre. C'est pour l'échelle. Hop, c'est pour l'échelle. Hop. Et là, on a encore l'ancien système de pour tirer les objets. À partir de légende, ça a été du coup corrigé. Parce que du coup, ça allait un peu plus vite. Voilà, là on vient chercher l'échelle. Hop. Et on est bon. C'est un bordel. Hein. C'est un bordel. Ce qui fait que nous, en fait, on revient ici. Il va falloir sauter en face. Ouais, je refais demi-tour, moi. Voilà, en fait, le truc est là-bas en face. Donc, il va falloir ressauter. On va venir par ici. Et je vais sauvegarder de toute façon. Hop. En fait, on est obligé de faire tout le tour parce que, comme j'ai expliqué en début d'épisode, Lara n'a pas forcément de force pour franchir les obstacles. Et le fait, en fait, d'aller, de passer en dessous et d'accéder à l'échelle, ça nous a donné, du coup, assez d'élan pour aller sauter là-bas en face. Voilà, c'est un bordel monumental, on va pas se le cacher. Hop, du coup, hop. Voilà. Parce que sinon on peut pas sauter en face. Et on est assez réduit. Hop là. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est refaire une save ici. Hop.
Ah, chez nous aussi, on a une fête foraine. Ça a commencé hier, d'ailleurs. C'est pour les vacances de printemps. Elle est là pendant ben jusqu'à fin avril, je crois. Non, je me suis trompé, j'ai voulu. Ouf, j'ai failli. C'est bon. C'est bon, ok, parfait. Hop, alors récupère, du coup. Je sais même pas ce que j'ai récupéré. Tu vas aller à la fête foraine alors? Il fait un peu sombre dans le jeu. Ah, c'est cette porte-là. Moi personnellement, j'y vais plus trop aux fêtes foraines parce que ça coûte vraiment hein, très très cher. Alors attention, bug de caméra par contre, ça s'arrange pas. Donc, on va passer par ici. Hop. Alors, on va pas monter tout de suite parce qu'on va avoir une cinématique qui va arriver. Donc, je vais re-sauvegarder par ici. Alors, c'est une cinématique assez courte, sauf qu'on aura après quelques secondes pour sortir d'un certain endroit, pour se retrouver du coup dans les quartiers de Paris, quartiers qui seront assez réduits d'ailleurs. Ça veut dire que c'est un jeu qui va nous laisser, qui va nous laisser du choix. Qui sont pas forcément meilleurs l'un l'autre, mais voilà, il va falloir du coup. Allez, non, on va sauter par là. Hop. Bah, je suis de Belgique, moi. Mademoiselle Carvier, je m'appelle Lara Croft. J'ai besoin de votre aide. Miss Croft, vous êtes comme sur les photos que m'avait montré Werner. Entrez, merci. Voilà, donc à partir de là, la cinématique va continuer un petit peu, mais il va falloir du coup se dépêcher. Une nuit bien sombre pour vous promener seul. Et c'est là où on va faire du coup notre premier choix. Carvier, je sors de l'appartement de Werner. Et comment va-t-il? Je crains que Werner ne soit mort. Voilà. Ici, en fait, le jeu nous laisse faire des choix. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y a, il y aura deux choix possibles. Alors, ici, c'est une. Ici, le problème, c'est qu'on va devoir faire les bons choix parce que sinon, c'est. On va droit à un échec. Mais vous allez voir qu'après, le jeu vous laisse du coup du choix pour certaines missions. Là, c'est vraiment un truc qui est. Ok, pas de soucis. Merci d'être passé. Et eh ben écoute, bon dimanche. Pop, pop, pop. Bah, on va marquer, je suis désolé du coup. Je suis désolée. Comment est-il mort? Que s'est-il passé? C'est un peu confus. Je suis arrivée chez lui de Londres aujourd'hui. Il bredouillait de peur. Oui, il devait vous contacter. Et il l'a fait. Il a osé le faire, malgré l'Égypte. Werner avait des raisons d'avoir peur. Il a accepté une commande il y a 5 semaines. Dès lors, son comportement a changé. Il sursautait au moindre bruit. Il m'a Alors du coup, pour ceux qui veulent savoir pourquoi est-ce qu'elle dit malgré l'Égypte, en fait, faut jouer à Tomb Raider 4, la révélation finale. Hein. Parce que Werner von Kreuz était le mentor de Lara hein, depuis toute petite.
Tant que c'est un peu lui qui l'a entraîné dans des aventures assez particulières. Sauf qu'en Égypte, il s'est passé un truc où il l'a complètement laissé de côté, il l'a complètement laissé tomber. Et donc voilà. Donc encore une fois, ici, on choisit bien les choix qu'on a à faire. Parce que sinon, on va droit sur un échec. Et il faut recommencer du coup tout le truc. Les peintures d'Obscura. Les peintures d'Obscura? Des dessins du 15e siècle. On les pense liés à l'alchimie et à la magie noire. Et vous avez pu l'aider? Un peu, je pense. Werner était rongé par l'angoisse. Qu'est-ce qui l'effrayait exactement? Il se sentait suivi. Il l'était peut-être. Si j'en crois à la presse européenne, le monstrum écume les rues parisiennes. Vous avez mentionné le journal de Werner, je crois, mademoiselle. Son journal de route. Il disait qu'il vous revenait de droit en cas de malheur. S'il a laissé son journal, c'est qu'il devait être terrorisé. Vous voilà. Donc là, pour l'instant, je lui ai dit, c'est un peu confus. Je me souviens que nous disputions et puis des coups de feu. On va pas choisir le premier parce que sinon ça aurait été un échec, je du coup. Dit, c'est un peu confus. Il faut vraiment bien choisir le truc, quoi. Alors là, c'est un crolabial, on y repassera, hein, parce que c'est un ancien jeu, hein, pour le coup. Enfin, le 1 est le pire, hein, je pense, au niveau synchro, parce qu'il n'y avait pas d'animation comme aujourd'hui. Si j'avais voulu tirer Werner, je ne serais jamais revenu d'Égypte. Werner était mon ami autrefois, je ne l'ai pas tué, ce n'est pas moi. Je crois que c'est ça, du coup. La police vous soupçonne à juste titre, il me semble. Ça suffit. Je n'ai pas tué Werner. Vous devriez partir, Miss Croft. Tout ce qu'il faut retenir en fait de ce jeu-là, c'est les peintures d'Obscura, le Monstrum et ce qui viendra après. Voilà. Là, du coup, on a que quelques secondes en fait pour partir parce que la police va débarquer. Alors bien évidemment on va pas partir par la porte d'entrée, ça va être complètement ridicule. Il va falloir du coup partir par la vitre, je crois. Ah putain, allez, on n'a pas trop le temps. Ou alors on part par la porte, je sais plus. Ah oui, c'est bon. Parce que je sais qu'au bout d'un moment, en fait, le jeu te laisse le choix. Ah bah non, ok, non, c'est bon. J'ai rien dit. Eh, merde. J'ai internet qui part en cacahuète. Non, c'est bon, c'est revenu. J'espère qu'il n'y aura pas de décalage. Ça merdouille un peu. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Parce que ça merdouille un petit peu là. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un peu pour internet. Je vais peut-être couper ma connexion à moi d'ailleurs. Hop, sur mon téléphone. Ça sera toujours ça de récupérer. Bah donc voilà les amis pour cet épisode. On va sauvegarder. Et on se retrouve très vite. Peut-être pour la suite, je sais pas trop. On verra. Et puis voilà, ok, ça sauvegarde. C'est parfait. Là on a du coup, ça j'ai pas montré, mais on a le journal aussi. Donc ça c'est le journal de Werner, donc il y a des trucs, hein, Eckhart, client présent. On ne sait pas encore qui est Eckhart. On parle de Louis Bouchard. Pas trop qui c'est, le monstre non plus. Par contre, il y a un décalage quand même. Je vous rassure que la version PS2 est tout autant mal fichue. Hein. Il y a énormément de bugs. Enfin, la version physique en tout cas. Là, on est sur émulateur et encore. Ça passe encore, mais bon. La version physique n'est pas vraiment très bien fichue non plus. Allez, je m'arrête là et je vous dis à la prochaine.